Alors la mitose des cellules somatiques, elle est précédée d'une réplication de l'ADN. Oui. Alors elle peut être inhibée par le contact avec une cellule voisine. C'est l'inhibition du contact. Permet le renouvellement des neurones chez l'adulte. Non, pas du tout. Elle se déroule en quatre phases de durée égale. Non. Et elle permet de former deux cellules filles haploïdes, et c'est non. Alors le cytosquelette. Les microtubules, on les rencontre dans l'axe des cils. Les microtubules. Oui. Les microtubules, on les trouve dans l'axe des flagelles. Aussi. Les filaments d'actine, on les trouve dans les microvillosités. La lamina nucléaire est faite par des filaments intermédiaires. Et les filaments intermédiaires forment un anneau contractile au cours de la cytodiérèse. Et c'est... Non. Non. On ne vous la fait pas. Hein. Alors, en prophase. Chaque chromosome est constitué de deux chromatides. Bien sûr. Les chromosomes homologues forment une tétrade. Pas du tout, c'est au cours de la méiose, pas la mitose. L'enveloppe nucléaire est fragmentée. Non. Non. C'est pas en prophase. C'est en pré-métaphase. Les microtubules kinétochoriens se raccourcissent. Malay Salange. Mais c'est vous savez, je vous colle, il n'y en a pas. Puisque la membrane nucléaire est encore intacte, donc il n'y est pas. Et la cellule contient 4N molécules d'ADN, et c'est vrai. La mitose. Ah, ça, on n'a pas encore vu. Parfois, peu, très bien. Alors, la colchicine. Non. PDGF, oui, rayon X. Accéléré, non. Retardé, non. Non. Arrêté, oui. Inhibition de contact, oui. Tu roules, oui, voilà, non, voilà. Très bien. La première division de la méiose. Les chromosomes sont accrochés à l'enveloppe nucléaire au stade diacénèse. Non, non. L'appareillement des chromosomes est achevé au stade paquitaine. Oui. Un bivalent correspond à une paire de chromosomes non homologues. Non, c'est homologue. Le complexe synaptonémal se forme au stade diacénèse. Non, c'est rebelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au zygotème. C'est quand le rapprochement des deux chromosomes commence. Les chromosomes restent associés par des chiasmas au stade leptotème? Non. Au cours de la méiose, les chromosomes sont apparus au stade de télophase. Pas du tout. Les chromosomes non homologues sont appariés. Les chromatides sœurs se séparent au cours de la prophase 1. Non. Il se produit un brassage entre chromosomes homologues. Oui. Et des cellules haploïdes sont produites à l'issue de la première division. Et c'est oui. Alors, quels sont les facteurs de régulation du cycle cellulaire? Alors, le rapport virus-protéasmique joue un rôle pour pas que les cellules deviennent trop grandes par rapport au noyau. Donc le rapport virus-protéasmique joue un rôle, mais il y a généralement le contrôle du cycle se fait par l'intermédiaire de signaux chimiques. Alors ces signaux, ils sont le garant d'un bon déroulement du cycle. Donc le bon déroulement du cycle dépend de ce qu'on appelle un point de restriction et de plusieurs points de contrôle qui sont situés tout le long du cycle.
S'il y a une anomalie quelconque, ces points de contrôle peuvent arrêter ou voilà, retarder le cycle. Donc le cycle, c'est pas comme ça, le cycle il a bien une période bien définie et contrôlable. Donc on peut interrompre ou retarder tout simplement le cycle. Alors il y a un point de restriction qui est situé presque au milieu de la phase G. Alors ce point de restriction, il faut le considérer comme étant un point de contrôle. Alors tu ne peux passer que si tu as tous les papiers en règle. Les papiers en règle, je m'en vais, ce sont les points verts, ça veut dire vous avez au moins chômage. Qu'est-ce qu'on demande à MCD? C'est de faire certaines activités. Si ces activités ont été effectuées, on vous donne la permission de passer. C'est comme si vous avez payé quelqu'un pour un travail qu'il devrait faire, ben vous le payez que s'il a fait ce travail. Donc vous vérifiez ce travail, ensuite vous le payez. Donc, ces points de contrôle vérifient un certain nombre d'activités. Par exemple, les cellules, les neurones. Les neurones, ce sont des cellules qui sont toujours bloquées en phase G1. Comme elles sont bloquées en phase G1 de la naissance jusqu'à la mort, donc on dit que c'est une phase bloquée en phase G0. Pourquoi est-ce que ce sont des cellules qui ne se divisent plus? Parce que elles ont ce point de contrôle, il ne leur permet pas de passer ce point de contrôle. Tant que ce point de contrôle ne leur permet pas d'aller, elles restent toujours bloquées sur ce stade-là. Donc c'est ce qui explique pourquoi cette cellule-là, elle ne se divise pas. Un hépatocyte n'aura cette commande-là qu'après 2 ans pour passer. Alors qu'une cellule intestinale, elle aura ce signal-là toutes les 10 heures, elle aura un signal pour se diviser. Donc c'est ce qui fait que nous avons des cycles différents d'une cellule à une autre. Ça c'est le point de restriction, on l'a appelé point de restriction parce que c'est un point très important qui se produit au milieu de la phase G1. Comme je vous ai dit que la phase G1 est une phase où il y a une très grande activité, et la très grande activité elle se produit au cours de la première partie de la phase G1. C'est comme si par exemple un jour d'été où il va faire très très chaud toute la journée et vous avez un certain nombre de travaux à faire, quand est-ce que vous allez les faire? Vous allez les faire toute la journée? Non, vous allez les faire de 6h du matin jusqu'à 8h du matin. Donc c'est à ce moment-là que vous allez faire le plus gros du travail. Ensuite, vous allez faire un tout petit travail. Donc, il est nécessaire pour cette cellule d'avoir un contrôle puisqu'une grande activité a été effectuée avant là, le point de restriction. Il y a enfin un point de contrôle qui survient, lui, à la fin de la phase G1. Surtout, il va contrôler l'état de l'ADN. Pourquoi est-ce qu'on doit contrôler l'état de l'ADN? Si jamais il y a eu une modification au niveau de l'ADN, la cellule, elle va passer après où? Elle va passer à la phase S. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va doubler son ADN. Alors, est-ce qu'on peut permettre à une cellule de passer à la phase S pour doubler son ADN alors que son ADN a été un peu laissé? Donc non, on va vérifier l'ADN. Si tout va bien, on lui permet de passer. Si ça ne va pas bien, on lui dit non, tu ne peux pas passer. Donc, une cellule qui va passer ce point de restriction alors qu'elle a un ADN mauvais, elle a de très grandes chances de devenir une cellule cancéreuse. Alors, les points de contrôle, il y a un autre point de contrôle à la phase S. Ce point de contrôle, par exemple, qu'est-ce qu'il va contrôler? Est-ce que la réplication a été bien faite? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Est-ce qu'il n'y a pas tout ce qui manque? Donc, c'est un point, on vous dit ça va, vous êtes reproduit correctement, vous pouvez passer. Enfin, il y a un autre point de contrôle qui est à la fin de la phase G2. Donc la phase G2 est G1. Au cours de la phase G2, la cellule diminue son activité. Avec, à la fin de toute l'activité a été faite pour la phase G1, on fait G2 chose là. Elle va se préparer uniquement à la division. Pour le crash, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à préparer son trousseau. C'est exactement la même chose. Maintenant, elle va les microtubules de l'interface. Je dis au grave, la membrane nucléaire, elle commence un peu à se détériorer. Mais je parle au cours de la préclatrace, elle éclate facilement. Les chromosomes commencent à se condenser. Donc, automatiquement, nous sommes des activités qui sont des signes de la bonne santé de la cellule pour qu'elle puisse bien se diviser. Si elle ne peut pas se diviser très bien, on ne peut pas lui permettre de passer la division, donc on arrête. Donc, moi, en fait, c'est quoi? Ce sont des points de contrôle qui contrôlent. Si l'activité de cette cellule est bonne, si elle n'est pas bonne, cette cellule, elle doit disparaître.
Et aussi, au cours de la phase S, au cours de la phase M, il y a des points de contrôle. Qu'est-ce qu'on va contrôler? Est-ce que la séparation des chromosomes a eu lieu? Mais j'ai une cellule qui va avoir plus de chromosomes qu'une autre. Est-ce que le fuseau multiple, etc. Donc, on vérifie un certain nombre de points. Bien. Donc, le franchissement de tous ces points de contrôle dépend des familles de protéines. Ce sont des protéines. D'ailleurs, on a le bon déroulement d'un cycle dépend de facteurs chimiques. Alors, sinon, les facteurs chimiques, demain, ce sont les CDK. Les cyclines et les cyclines. Les CDK, ce sont des kinases cyclines dépendantes, etc. Les cyclines et les cyclines sont des inhibiteurs. Alors, qu'est-ce que les CDK? Les CDK, ils s'amènent des cyclines, des kinases dépendantes des cyclines ou des cyclines dépendantes. Et donc, les CDK. C'est quoi les CDK? Il y en a plusieurs. C'est une famille d'enzymes. Ce sont des protéines donc, qui catalysent des réactions nécessaires. Les CDK, Chigi ou par exemple au niveau d'un membrane nucléaire, ils vont commencer un peu à la détériorer. Ils vont venir pour amener beaucoup de protéines et ces protéines-là vont aider beaucoup les chromosomes à se condenser. Donc, besoin des CDK, donc, aide la cellule pour faire bien un certain nombre de travaux. Si elle le fait, donc la cellule elle est prête à passer à l'étape suivante. Si elle n'est pas prête, les CDK ne peuvent pas faire ces réactions, donc le cycle ne peut pas continuer. Alors, pour que ces CDK fonctionnent, il leur faut trois conditions. La première, ils sont activés par phosphorylation. La deuxième, elle se trouve un inhibiteur de la CKI, mais se trouve un inhibiteur. Et elle ne peut agir que si elle est associée à une cycline. On m'a juste une cycline, quand leur taux augmente ou pas diminue, augmente et diminue, etc. Donc il y a plusieurs CDK, CDK1, CDK2, etc. Les cyclines, d'abord. Les cyclines manquent catalytiques. Donc, elles sont régulatrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles ont des concentrations variables. Il y a plusieurs types de cyclines. Et leur rôle, c'est de s'associer aux CDK. Mais elles ne s'associent aux CDK que si elles arrivent à une concentration bien précise. Elle est à l'échelle de l'état. Donc, leur niveau augmente. Quand elles arrivent à un niveau acceptable, elles se complexent avec les CDK. Par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la cellule, la chimiothérapie, de 6h du matin jusqu'à 8h du matin, elle n'a pas bien fonctionné. Si elle n'a pas fonctionné, c'est quoi le signal qui vous dit que la cellule n'a pas bien fonctionné? Dites-vous le taux de cyclique. Il est quelqu'un qui cyclique, par exemple. Oh, normalement, pour une cellule normale, entre 6h du matin et 8h du matin, elle doit, par exemple, produire 100 grammes de cyclines. Il est quelqu'un qui dit à 8h du matin, ma crache à 100 grammes, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que la cellule. Donc, tu n'as pas assez de cyclines. Donc, elle ne peut pas se complexer avec CDK. Et donc, le CDK ne peut pas faire des réactions de phosphorylation. Donc, il ne peut pas y avoir une suite pour le cycle. Pour chaque phase du cycle, il y a un complexe particulier. Donc, le passage, le passage de ces points de contrôle est sous la dépendance directe de la formation, de l'incorporation de ces complexes. Alors, je tombe à des complexes d'eau. Au cours de la phase G1, ça m'a un complexe qui se forme, lié au point de restriction. Il se forme entre cycline D et CDK4. Ou à la fin de la phase G1, c'est-à-dire l'autre point de contrôle, il est sous la dépendance d'un autre complexe qui se forme, lié au CDK2, cycline 2. Donc le contrôle de la phase G1 est sous la dépendance de ce double complexe, lié au examen, lié au SPF. Tout ça, ça s'appelle le SPF, c'est-à-dire facteur promoteur de la phase S.
S-P-R. Alors la phase S, M, elle est contrôlée par un autre point de contrôle. Elle est où il se produit entre CDK1 et cycline A, où le passage entre G2 et M est dépendant de la formation d'un autre complexe qui est CDK1, cycline B. Donc, vous avez les complexes possibles. Elle est l'info, mais il peut très bien y avoir d'autres complexes. Donc, ce sont les complexes qui sont en rapport. Donc, je répète, la non-formation de ces complexes bloque bloque les cellules et ne laisse pas passer ce point de contrôle. Par exemple, le neurone, lui, il n'a jamais pu dépasser ce produit-là, aller à la rate, il ne sait pas produire la cyclidée. Donc il ne sait pas produire la cyclidée, mais ça c'est une façon normale. Quand le génome perd le gène qui est caché, donc il ne peut pas le produire. C'est la cyclidée n'est pas produite, donc il n'y a pas de complexe, donc c'est le problème pour la rate. Alors les CKI, ce sont des inhibiteurs. Quand on a la condition pour que la CDK fonctionne, on va venir à la CKI. Madame, les autres vont nous aller. Voilà. Les CKI, ce sont des protéines, appartiennent à deux familles de protéines. Il y a la famille BP21, c'est les protéines B21, furbage. Alors, quand ces protéines sont présentes, elles vont empêcher la formation du cycline CDK. Donc, Charles, les B21. Hâte lequel le complexe carré, c'est des gaz qui il est fait. Dès qu'il y a présence de CKI, il va empêcher, il va inhiber le complexe de fonctionner. Il y a également la deuxième catégorie de famille, c'est la P16, qui devront jouer. Ils vont entrer en compétition avec les cyclines. Donc, ils vont empêcher les CDK de se lier avec les cyclines à la rate des P16. Donc, bonjour. Donc, pour que un cycle se produise correctement, il faut que la cycline est produite de façon régulière. CDK qui est là se combine avec l'absence de CKI. Donc, voici le SPF. Et le CDK1 cycline B, il s'amarre le MPF. Bon, en fait, on appelle le MPF facteur promoteur de la phase M parce qu'il va contrôler plusieurs activités. Phase G2, il va contrôler l'état de contraction, la disparition des microtubules, du cytosquelette, la détérioration de la membrane nucléaire, etc. Donc, il a beaucoup d'activités. Ça m'a fait l'effet. C'est le même que tout à l'heure. Dès que nous lire, c'est le SPF et le FPF. Alors, il y a le contrôle. Dès que nous c'est ce qu'on appelle le rétro-contrôle. Nous, on a le chef de radar à Kao. Le radar, il est dans 50 km. Mais lui, là, au 50 km, on fait ce que tu veux. Il y a aussi les radars mobiles. Donc, on peut à chaque moment intervenir pour contrôler. Alors, c'est le rétro-contrôle. Le rétro-contrôle est sous la dépendance d'une protéine appelée la protéine P53. Alors, je parle de P53, elle est bien présente. Alors, voilà le rétro-contrôle, c'est une sorte de sauvegarde. On relique entre les deux moments, on relique tout à fait libre. Alors, ce système de sauvegarde se produit surtout en phase GM. Allez, quand la phase 1 est une phase très longue. Donc très longue, donc la cellule est exposée. Et exposée à toute agression. Donc notamment tout ce qui peut être cancérigène. Il faut savoir que des ultraviolets, des radicaux libres, des toxines peuvent entraîner des modifications au niveau de l'ADN. L'ADN est parfois très fragile. Comme la phase 1 est très longue, donc, le risque est très grand pour une cellule d'avoir des modifications sur l'ADN au cours de la phase 1.
il est important de vérifier cet ADN-là, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de passer à la phase S. Donc si jamais la cellule constate qu'il y a une lésion des chromosomes, suite à de multiples paramètres, s'il y a une lésion, et bien à ce moment-là, il va y avoir un gène qui normalement ne fonctionne pas, c'est le gène P53. Dans une cellule normale, le gène P53 ne fonctionne pas. Il est endormi. Il ne se réveille que s'il y a une modification. Alors, s'il se réveille, il va donc coder pour une protéine particulière, c'est la protéine P53. Donc, dans une cellule dont l'ADN a été lésé, on va avoir des taux de P53 qui vont augmenter. Alors, le P53, c'est un facteur de transcription. Ça veut dire que lui-même, il va pousser la cellule à transcrire et à coder pour une autre protéine, qui est la P21. En résumé, le taux de P53, la présence de P53, entraîne la synthèse de la P21. Il y a normalement, elle n'est pas remise. La P21, donc on a l'air à venir, c'est quoi? C'est une séquelle. Donc, elle est le donc, c'est pas à la de CDK, donc elle va inhiber la formation du complexe. Donc, le complexe ne se forme pas. Donc, je suis il n'y a pas de passage. Et là, la phase G1 est retardée. Et retardée pourquoi? Pour pousser la cellule à réparer son ADN. S'il y a une réparation, ça va. Donc, P53 marche, il n'y a plus de P53, il n'y a plus de P21, donc il n'y a plus de CKI, le complexe peut se faire. Si jamais, c'est ce qui arrive très souvent, l'ADN n'est pas réparé, impératif, il faut bloquer la cellule. On la bloque de quelle manière? On l'envoie à une autre cellule. Cette cellule est une cellule potentiellement devenant potentiellement dangereuse, donc elle doit mourir, et généralement elle va mourir par apoptose. Elle meurt. Donc là, vous voyez que c'est indépendant du complexe, mais il y a d'autres éléments de sauvegarde qui peuvent intervenir. D'ailleurs, une altération de ce gène P53 prédispose beaucoup au cancer du poumon et au cancer du sang. Allez, alors le P53 ne fonctionne pas, donc les cellules qui ont eu de l'ADN qui est lésé, elles ne vont pas mourir, elles vont passer à la phase S avec un mauvais ADN et donc ça devient potentiellement dangereux. Donc une altération du P53, du gène P53, est directement liée avec l'apparition des risques très accrus d'apparition du cancer. Alors, énumérer les différents facteurs physiques et chimiques, ils peuvent intervenir très vite aussi. Il y a les facteurs de croissance. Ce sont des substances qui accélèrent le cycle. Hein. Alors, il y a l'EGF, donc c'est un facteur qui est produit par les épithéliums, ou un produit éligible à la chose. Il va augmenter la multiplication cellulaire. Le PDGF, c'est un facteur qui dérive des plaquettes, c'est-à-dire ici, on dit à, par exemple une lésion d'un vaisseau et une hémorragie. Donc il va y avoir une lésion physique. Donc les suites endothéliales, les ombres subissent une fois tous les trois jours. Quand il y a une lésion, on se multiplie très rapidement. Parce qu'il y a un facteur des plaquettes qui leur dit qu'il faut se multiplier pour contacter la brèche. Un facteur pour la croissance des nerfs, ferme brache, donc allez, c'est pas la peine de les faire tous. Donc voilà, deux ou trois, ça suffit. Pas la peine de prendre tout. Comme il y a les facteurs de croissance, il y a les inhibiteurs. Alors, les inhibiteurs, toutes les zones d'ADN provoquent bien sûr le BCL3, etc. C'est un inhibiteur. Alors, certains antibiotiques, des antimétaboliques, antimétaboliques, ça veut dire que ce sont des produits qui vont agir, qui vont provoquer des cassures de l'ADN ou des interactions de l'ADN. Évidemment, ça va retarder le cycle. Gaz moutarde, ça l'a fait. Gaz moutarde, vous connaissez. C'est un gaz utilisé par les militaires. Par les militaires, et il est formellement interdit d'ailleurs. Avec le bloc de l'Est et la Russie continuent à en avoir. D'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, ils l'ont utilisé contre les Tchétchènes au cours d'un attentat dans un.
Moscou, je crois, dans un théâtre, et ils l'ont utilisé, et ça provoque, une mort atroce. Les rayons X, bon, on a rien de suite, hein, et surtout les agents chimiques, comme par exemple le 5-fluorouracile, celui qu'on utilise en chimiothérapie. Donc on utilise ce produit-là, on l'utilise parce qu'il va provoquer des cassures de l'ADN pour des cellules qui se multiplient beaucoup, hein, dont notamment les cellules cancéreuses. Et les cellules cancéreuses, quand on provoque une cassure, donc on espère que ce sont des cellules où on va mettre le B53 en marche et pour amener ces cellules à mourir par apoptose. Les atteintes fusales, on peut attaquer le fuseau mitotique. Par exemple, je vais dire uniquement la colchicine. Hein. La colchicine, c'est un produit qu'on utilise au laboratoire pour les analyses cytogénétiques. En fait, pourquoi? Parce qu'on bloque les cellules en métaphase. C'est ce qui nous permet de bien voir les chromosomes. Les radiations ionisantes provoquent des lésions au niveau des chromosomes. Donc, toute lésion au niveau du matériel génétique est un facteur inhibiteur de la mitose.